Bonsoir, le LFF 2023, c'est toujours 10 films en compétition, 10 longs métrages, 5 courts métrages en compétition et puis des films hors compétition, toujours axés sur le grand sud de la France. Et puis cette année, avec un jury de 5 personnes, on a Frédéric Petitjean, Donia Eden, Elsa Romano, Francis Renaud et puis sans oublier Myrti Butner, qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui pour cause familiale, mais elle sera là demain avec nous et on, voilà, donc un très grand jury cette année. Le message du LFF, c'est l'amour du cinéma. C'est l'amour de notre région et du cinéma. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de film sans lieu, il faut avoir des beaux lieux, et on ne fait pas de film en fait aussi sans amoureux de cinéma. Et donc le message, il est là. Donc tout simplement, c'est le partage et l'amour. C'est un rêve de gosse pour moi d'être jury dans un festival, quand on commence dans le cinéma et qu'au début on est jeune actrice, et maintenant d'avoir le pouvoir de voir des films et de juger, c'est dur, mais plutôt de se retrouver avec d'autres artistes et de faire des débats sur ce qu'est l'art, ce qu'est le film, c'est un peu un moment magique. Je suis très honorée d'être là, et surtout la région est magnifique, on est très très bien reçus. Et ce festival-là, principalement, je me trouve très très... accueilli, enfin, c'est une sorte de grande famille de cinéma très très belle. Je suis très honorée. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? Je vis dedans depuis que je suis petite. Ma mère est chanteuse, mon père est musicien. J'ai fait de la danse, je suis pianiste également. J'ai fait un peu tous les arts. Et malheureusement, j'ai pas une voix très belle quand je chante. Et que du coup, j'ai fait mon premier casting à 14 ans. Et en fait, ça a tout de suite démarré ma carrière, et depuis, j'ai pas arrêté. Après, c'est des films comme Usual Suspect, Gladiator ou Titanic dans ma génération qui ont fait que je suis devenue fan de cinéma, et maintenant, je vis que de ça, et j'ai de la chance de pouvoir en vivre parce que c'est quand même un métier très compliqué. On a été sélectionné. J'ai appris ça il y a 2 mois par mon distributeur Arnaud Kernegues, et on était très content quand on l'a appris. On a vu que c'était la 2e édition, donc c'est toujours super les premières éditions d'un festival, donc on était hyper heureux d'être ici en fait. Alors Mon Milieu, c'est un film que je veux faire depuis que je suis gosse en fait. J'ai envie de raconter, de montrer des voyous, parce que donc c'est un film de voyous, et j'ai envie de montrer des voyous comme moi je les ai connus quand j'étais gamin en fait. Et voilà, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film, ce qui m'a motivé pendant toute une vie pour faire ce film. Et je suis assez content du résultat en fait.